les amis. Eh bien, bonjour à tous. Bon, voilà, je me suis amusé, je peux pas assez à faire. Je me suis amusé. Eh ben, un sacré amusement, hein. Regardez-moi ah ouais, ça. Ouais. J'ai fait des boîtes. J'ai fait des boîtes. Des boîtes avec des carreaux. Des grosses boîtes, à Jaco. Ouais, donc voilà. Donc j'ai fait des... Il y a des châssis qui se démontent, qui se déplacent comme on veut, et qui sait qui vont sortir en début de saison et en fin de saison. Bah, tu vas nous expliquer tout ça. Je vais expliquer tout ça. Alors, j'ai fait ça avec des bacs à... bacs de culture qu'on vend dans les jardineries ou dans le magasin bricolage. Hein. Donc c'est des bacs... Viens pas ici. Attends, parce qu'il y a des outils partout, je voudrais pas... Viens aider. Et voilà. Donc j'ai fait ça avec des bacs de culture qu'on utilisait. Hein. Donc c'est des bacs qui se démontent facilement avec des fers règleurs tenus par un clou. Mm-hmm. J'expliquerai notre méthode pour les tenir après. Hein. Oui. Voilà. Donc j'ai mis des charnières qu'on peut dégonder. Hein. Oui. Ça se démonte. D'accord. C'est tout seul, merde. Là, ça c'est du polycarbonate que j'ai récupéré d'une vieille serre. Mm-hmm. Hein, après ça, je sais que quand j'en avais acheté une plaque complète. On avait payé cher. Hein. C'était assez cher parce que c'était du 2 mètres de long sur 1 mètre 10 de large. Et on fait froid quoi. Ouais. Et j'avais payé ça d'avec 18 ou 20 euros la plaque. Ouais, c'est vrai. Ça fait cher. Hein. Mm. Pour ce que c'est, surtout que ça dure pas des années. Hein. Ben si, quelques années, pas plus. Donc, c'est pas éternel. Non, c'est pas éternel ça. Hein. Donc vous pouvez remplacer ça par une petite fenêtre ou... Voilà. Des carreaux, enfin ce que vous avez quoi. Mm-hmm. Une toile alvéolée, ça va aussi. Hein. Il suffit aller de boucher les alvéoles sur le côté avec un morceau de tasseau. Mm-hmm. Puis voilà. Nous, au niveau, on a pris quasiment tout le matériel de la maison, à part les tasseaux ici. Là, les tasseaux, enfin, les coffrages. Et puis les petites charnières là-bas. Voilà. Le reste, c'est que de la récup. Enfin, les deux, j'en ai pris une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, voilà. Oui. On a été surpris du prix du bois. Oui. Pour 4 tasseaux, oui. Incroyable comment ça a augmenté. 4 tasseaux, 17 euros, je crois, c'est ça. Puis on peut récupérer mieux ça vaut. Voilà. Bon, ça, vous pouvez aussi remplacer, c'est par des planches de coffrage. Comme ça. Hein, ça même ça, c'est bien augmenté aussi, ça fait 2 euros pièce. Hein, ça, 2 euros de plus sur la planche. C'est énorme. Ouais, on est payé 3 euros, maintenant c'est à 5 euros pièce. 2 euros sur une planche. Enfin, on reprend ce mois que tout à fait. Donc voilà, donc comme je disais, c'est démontable. Est-ce que tout ça, je peux le démonter comme je veux. Là, je peux dégonder mes fenêtres. Mm-hmm. Ça, j'arrive à faire caler que je démonte. Voilà. Et je range. Et ça va me servir en début de saison, c'est pour mettre tous mes premiers semis, mm-hmm. Et les premiers pots et tout. Hein. Alors, on peut aussi passer directement à la salade. Donc la salade gotte de l'eau, s'il m'a resté sous les lampes, ça va aller là-dedans aussi. Voilà, parce que j'aime bien cette petite salade-là. Alors attends, là on va montrer. Donc on en a fait deux, hein, ils sont un peu séparés, on va dire. Ouais, là, je vais la montrer, gotte de l'eau. Oui, attends, je finis ici, Jaco. Et sinon, par rapport à l'espace, hein, on les a espacés un petit peu, mais on aurait pu en faire un seul, hein, Jaco. Ouais, je peux en faire un seul, c'est-à-dire que je rassemble les deux, je rapproche l'autre, hein, et puis je la raccorde avec la charnière. Avec le clou. Le clou. Hein. Et s'il peut s'emboîter, il suffit d'enlever les planches du milieu. Et j'en fais un seul grand. Là, j'ai voulu en faire deux parce que, pour l'instant, j'ai besoin d'une petite surface pour ce que j'ai à faire. Ça n'a rien d'avoir une grande surface à réchauffer. Donc, tu veux aller montrer tes salades là-bas? Non, je veux d'abord parler d'un autre système pour les assembler. Pour assembler les planches. Mm-hmm. Sans devoir les fixer ou les visser. Attends, hein. Voilà, je vais vous parler d'une façon que je faisais avant au boulot, parce qu'on n'en fait plus. Avant, quand on faisait des châssis, c'était démontable. Et c'était avec des planches, pas avec des charnières, des ferrailles comme ça. Donc, on prenait des fers, ce qu'on appelle des fers T. Des fers T. C'est une ferraille, c'est un morceau de ferraille, qui est en forme de T. Quand on le regarde du dessus, on voit un T. Mm-hmm. Hein, donc, ça fait ça. Ça fait ça. Alors, quand on le regarde dessus, ça fait ça. Souvent aussi, c'est les piquets qu'on met pour les clôtures, tout ça. Hein, des piquets en ferraille. Oui. Bah, pas le choix. Oui. Pas ta chance de mettre ça là. Tu m'as vu, je suis parti en arrière. Voilà, donc nous, on prenait ça. Et puis, on mettait une planche. C'est pour mettre au coin des châssis. Une planche qui partait comme ça. Et une planche qui partait comme ça. Voilà, donc celle-ci, pour pas qu'elle tombe, on y mettait un piquet là, vu qu'elle est tenue. Hein.
On a un pied qui tiraille ici ou un bout de bois que vous avez. Oui. Pour éviter que la planche se couche. Uh-huh. Et celle-ci, ben, c'est le contraire, c'est à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et ça, ben, ça vous fait les coins d'une châssis. Une planche comme ça, une planche comme ça, le ferté ici. Voilà. Alors, des fertés, on trouve ça où, Jaco? En jardinerie ou en magasin de bricolage? Bricolage, en matériaux, souvent. Hein? Matériaux. Oui, mais en jardinerie, il doit y avoir ça pour les grillages, tout ça. D'accord. Donc, hein? Je vais prendre l'exemple d'ici. Là. Ouais. Donc, ça serait mis dans ce sens comme ça. Comme ça. Ouais. Avec. Disons que le ferté ferait ça. Oui. Là, ici, comme ça et comme ça. D'accord. Ok. Hein? Donc, je viens claquer ça sur le ferté. Avec un piqué pour tenir. Mm-hmm. Et là, il serait claqué, le ferté serait ici, là. Oui. Donc, et avec, à l'intérieur, pour tenir. Voilà. Et quand vous démontez le châssis, vous enlevez vos piquets, les planches sont seules. Ok. Puis vous récupérez, vous ferez, puis vous rangez tout. Et puis que quand c'est rangé, ça me va prendre une place comme ça, pour ranger les deux. Une place 20 cm sur 80. Ok. Cool, ça c'est rangé, puis ça sortira. Que si on laisse ça tout le temps dehors, les tôles plastiques ne vont pas tenir autant. Et puis du bois comme ça, c'est du pain de la première catégorie. Ouais, ça... On va pas aller bien loin avec ça. Ouais. Donc l'avantage que ce soit démontable, c'est que ça peut aussi nous servir pendant plusieurs années. Ah oui, voilà. Oui. Que si on laisse en place dans le jardin, bon bah le bois va se détériorer, va pourrir, voilà, et puis... Puis là, bah, les premiers semis qui vont bientôt arriver dans le courant du mois, bah, je pourrais les mettre dessous. Mm-hmm. D'accord. Et je toujours avec un voile dessus si j'aime beaucoup. Je mets toujours un voile dessus. Hein. Et mes premiers plants de tomates qui vont sortir de la maison à, je dirais, en mars. Mm-hmm. Donc il fera encore assez bon. Normalement. Quand même, normalement, oui. D'ailleurs là-dessous. Voilà. Là, je peux en mettre pas mal. Oui, quand même, hein. Oui, ça va. Ça fait quand même une belle petite surface. Hein. Et après la taille du machin, vous le faites de la taille que vous voulez. Hein. Oui, vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Plus... Ben nous, là aussi, on a pris l'exemple de cette dimension-là par rapport au bac qu'on avait et puis par rapport à notre surface du milieu, la planche de culture, là. Voilà, notre planche de culture. Sinon, après, vous faites la dimension que vous voulez. Hein. Voilà. Ben, enfin, à savoir qu'il y a un couvercle là-bas pour pouvoir aller travailler au fond. Hein, sans être obligé de monter dedans. Oui, bien sûr. Mmh. Il faut penser à ça aussi. Donc, l'idée, je pense, si vous n'êtes pas très grand, je pense que l'idéal, c'est 70. Parce qu'on peut travailler que d'un côté. Si on faut démonter le couvercle à chaque fois, bon. Oui, après, c'est un choix. Ouais. Donc, tu voulais montrer la salade Goutte de l'os. Oui. Attends, Jaco. Voilà. Et un truc que je voulais vous faire remarquer aussi par rapport à la dernière vidéo, sous les lampes. Ça, c'est la pia. Vous voyez la pia dehors, à température fraîche, elle se tient mieux que elle la traction. Elle se tient très bien. Que la traction. Et là, la traction, elle est complètement... Alors, la traction attends, a pris la mauvaise tête. Oui, elle a mauvaise tête par rapport aux lampes. Ouais. Bizarre, hein? Non, mais là, il fait plus frais. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Voilà. Ça, c'est une salle qui est bien adaptée quand il fait froid. Ah oui. Et la traction, c'est plutôt pour l'été. Ah, c'est vrai que là, elle est devenue belle, hein? Très belle. Très belle. Et celle-ci, elle s'adapte Jaco, très bien. Hein. Et alors là, oui. Là, c'est belle. J'adore cette forme. La Goutte de l'os. Voilà. La Goutte de l'os. Je me disais pareil. J'en ai parlé de la Goutte de l'os. Oui. Méfie des chenilles, hein, parce qu'il y a toujours des chenilles. Hein. Oui, là, on a le trois quarts du persil qui a été mangé par des chenilles. Voilà. Donc voilà, donc je reviens à ça. Donc c'est des châssis démontables. C'est-à-dire que je peux le déplacer, puis c'est léger. C'est léger. Non, parce que même moi, je le soulève. Ouais, je peux le prendre et le déplacer dehors pour me mettre ailleurs, et puis J'ai été surprise du poids. Ouais, tu vois, c'est très léger. Ouais. Ça sert à rien de faire des trucs assez lourds, ça, c'est provisoire. Hein. Mmh. Voilà, donc ça m'a pris une demi-journée. Ouais, une demi-journée, enfin, ouais. J'irai 2-3 heures pour les faire, quoi. Ouais. On est bon, Jaco ? Voilà, encore voilà. Une petite idée pour protéger vos cultures. Voilà, parce que faire un tunnel, c'est bien. Et je me rends compte, moi, qu'avec mon handicap physique, je commence à avoir du mal à monter un tunnel. Hein. Ça commence à devenir physique, tu as les bâches. Ben, peut-être qu'en faisant ça... Mais ça, l'inconvénient avec ça, c'est que c'est bas. Oui. Par rapport à un tunnel qui est plus haut. Mais ça, c'est bien pour les débuts de culture. Pour les semis. Les débuts de culture, oui, parce que là, ici, quand ça va commencer à monter, ben, ça va vite toucher le carreau. Ouais. Tandis que après, le tunnel, non. Après, une deuxième solution, c'est de décaisser un petit peu. Aussi. Hein, on décaisse un peu, comme ça, ben. Voilà, je vais surtout mettre le restant de la Goutte de l'os qui me reste à bout. Oui.
Et puis préparer les premiers semis. Et puis je mettrai mes premiers semis dans le deuxième. Voilà. On est bon, Jaco ? On est bon. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.